Bienvenue dans votre émission Vidéo Buzz. Dossier du jour, affaire bagarre entre Unizunon et Ténor. Rupture ou buzz? Alors que le couple baignait dans le love il y a des mois, des vidéos apparaissent sur la toile montrant le couple en pleine dispute au point d'en venir aux mains. Est-ce une stratégie des détracteurs du couple ou nuire à leur relation? Ou est-ce un buzz organisé par le couple? Faut nous dire, c'est comment entre vous, toi et la sœur? C'est beau en tout cas, c'est chic. C'est chic. Mais quoi tu dis? Défalé, pendant chic. Que c'était chic, c'est beau tout ça là, ça t'arrivait de tromper notre sœur souvent? Le truc c'est que tu reviens sur le même truc. Ça veut dire que tu me mets encore dans une situation où je suis obligé d'accepter un truc qui n'est pas encore confirmé. Hé, vieux père Anaconda. Tu as beaucoup d'alcool ou cigarette ou drogue? Je ne me drogue pas. Mm-hmm. Oui, je. Alcool, oui, mais avec de la modération. Et la cigarette? Ça peut arriver en soirée, mais voilà quoi. Et le sexe? Tu as beaucoup de sexe? Ah, les filles, même encore, c'est le dernier de mes soucis. C'est le cadet de mes soucis. De nature, tu es bagarreur? Je veux savoir si tu frappes ma soeur, quoi. Mais non, la violence. Et frapper sur une femme, non. Bon, mais bon, pas une femme, mais récemment, on sait qu'une fois, il y a une grosse bagarre d'un scooter au Cameroun où tu étais mêlé. Moi, je suis de nature calme. Okay. Mais lui, il m'a énervé, donc il fallait qu'il lui fasse comprendre que non, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, calme-toi, non, calme-toi. Ah, ta fille, j'en ai marre. J'en ai marre de cette meuf, j'en ai marre de Lénis. Ça, c'est quelle histoire? Une meuf qui ne veut pas me laisser respirer. Moi, je suis une star, j'ai besoin de me reposer pour prendre l'inspiration pour une nouvelle chanson. À ce rythme, elle va m'épuiser. Et ça, j'en ai marre de ça. Mais c'est toi aussi, tu n'es pas fait la demande en mariage? Mais j'ai fait la demande en mariage, ça ne veut rien dire ta fille. Ça ne veut rien dire. J'en ai marre de cette grande mère. Maintenant, tu me touches le matin maintenant, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Tu me touches le matin, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Si tu continues à me violenter, je vais préférer sortir d'ici. Je t'ai demandé. Tu vas juger que c'est moi qui te fais mal. Je t'ai demandé quelque chose. Je ne veux ce pas matin. Te parler. Je ne veux pas. Tu vas me parler. Mais si tu m'appelles avec tes, tu vas me supporter. Tu vas me supporter. On va se suivre à ce que je ne veux pas te dire. Allez, va. C'est pas pour qui? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Un nice. Hey! Non. Arrête. Mon frère Ténor, jeune frère, je pense que tu es encore jeune. Tu as à peine 23 ou 24 ou 25 ans. Tu ne connais pas encore la vie. Parce que si tu connaissais la vie, tu allais savoir que, quel que soit le degré de la colère d'un être humain, d'un homme face à une femme, ne doit jamais lever son poids. C'est-à-dire, pour moi, je me dis que c'est un complot. Parce que tu frappes un Unizunon, et puis ton camarade filme. C'est pour l'humilier, non? Mon frère, dans ce monde-là, s'il y a quelque chose qui détruit la carrière d'un être humain, c'est la femme. Si tu veux chercher 1000 femmes, y'a foi. Mais lever la main sur une femme, mon frère, tu ne connais pas encore. Depuis que Ténor s'est mis avec Rambo Girl, la vie de Ténor ne va plus. Rambo Girl est une maligne fille. C'est une manipulatrice. Elle a profité de la sensibilité de Ténor. Le manager qui savait que elle ne peut pas rester sans chercher les problèmes. Parce que Eunice, elle savait déjà, Rambo Girl savait déjà que Ténor ne voulait plus être avec elle. À chaque fois que Ténor dit que c'est fini, elle menace Ténor qu'elle va gâter sa carrière. Cette fille n'est pas une victime. Comme vous la voyez là, elle ne savait pas qu'il y avait les vidéos. Elle voulait piéger Ténor. Parce que cette fille a compris que Ténor ne veut pas avancer avec elle. Eunice, c'est pas enfant de pauvre, c'est pas une péon. C'est pas une gérante de busy. Eunice n'est pas à la recherche, c'est pas un garçon qui manque. Moi j'ai vu et puis le spectacle de Eunice. C'est là que j'ai vu que Ténor était un faux type. Peut-être de Eunice là. La petite s'est balade. On n'a jamais vu Ténor en train de se promener à Eunice au marché pour vendre ticket. Moi j'étais au courant de votre histoire là depuis. Eunice Zignon s'est occupé de lui. Il n'a rien. Un chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Pas un modèle que voilà là. Tu te bats ta femme avec une femme comme si tu étais ton ami garçon. Tu pensais que Eunice allait se laisser faire. C'est son travail de frapper Eunice. Le tout c'est qu'il ne laisse pas. Plus de 2 ans, tu es capable de l'enceinter. Mais toi tu es fort d'en frapper. Si Ténor n'est plus à Eunice là, elle va se marier encore. Mais ce qu'elle a fait à Ténor là, elle l'a loupé. Elle n'a rien fait. Je soutiens Unizunon. Toutes les femmes dignes de ce nom vont soutenir Unizunon. Parce que ce que Ténor a fait là, ça ne se fait pas. Il s'est foutu de la gueule d'Eunice. Ah, notre sœur, Yako, tu sais, quand cette affaire a commencé quand même, nous on t'a posé une question et tu n'as jamais répondu jusqu'à ce jour. Nous on t'a dit depuis longtemps. Unizunon. Notre jolie Tantio, tu étais où? Question là, on t'a posé devant toute la Côte d'Ivoire. Tu n'as jamais répondu. On voulait te prévenir sur beaucoup de choses. Bon, t'as même faut voir maintenant. Bloqué Cadena. Comme ça.
Bébé bouche pointue est allé voir son gars. Le gars s'y dit que il ne veut plus d'elle et qu'elle n'a qu'à partir. Bébé bouche pointue dit qu'elle va pas, que pourquoi le gars l'a touché le matin. Toi, tu dis que quelqu'un n'a qu'à te marier et puis tu es en train de le frapper déjà. Bébé bouche pointue, j'espère que tu as fait collage avec cette vidéo-là. Parce que tu aimes bien faire collage avec les vidéos des gens. Cette vidéo-là, tu vas prendre pour faire collage, j'espère. Tu es ma soeur ivoirienne, hein? Mais je n'aime pas l'injustice, ma chérie. Une femme que ça ne fait même pas 3 ans que vous êtes ensemble. Elle te bastonne. Elle te tape. Elle est violente. Tu aimes ça, c'est ça? Quand on rencontre une femme, on demande son passé. Une femme qui fait trop le sport. Une femme qui porte les fers. Qui a la ceinture noire. Tu pensais que quoi? Tu savais qu'elle va te taper? Il n'y a pas longtemps, il y avait une soirée à Paris où j'étais invitée. Elle a refusé que Ténor poste les affiches. Parce qu'elle a dit qu'il y aura les femmes là-bas. Même si tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas l'étouffer dans sa vie comme ça. Elle contrôle la page de Ténor, elle lit chaque commentaire. Mes chers frères et sœurs, moi je condamne fermement la violence faite aux hommes. Toi, en tant qu'une remède, en tant qu'une vieille mère des réseaux sociaux, tes petits frères, tes petites sœurs sont en train de se bagarrer. Toi, en tant que fleur d'élite, toi tu ne peux pas faire vidéo pour venir calmer les choses. Toi, tu fais des vidéos pour alimenter, pour être contente, tu es heureuse, et puis tu disais, on dirait que tu as un problème personnel avec Enis Zounon. Ténor là, il a 24 ans. Enis là, elle a 27 ans. Ils sont de la vingtaine. Il peut faire des délits. Oui, c'est un problème de couple. Si ça n'a pas marché là, ça ne va pas marcher. Si ça a marché là, ça a marché. On ne s'engage pas de ça. Une vieille vidéo woman, au lieu de venir calmer les choses, au lieu de venir tranquilliser, au lieu de venir jouer le rôle, toi, tu viens te moquer. Parce que tu es jalouse de Enis. Viens voir comme ça. Tu vas mourir célibataire. Oui. Ténor, je te dis d'abord une chose. Tout homme normal ne peut pas donner raison à Ténor. Je vous dis pourquoi. Quand Ténor a eu son problème là, il partait tromper Enis. Et il y a eu mort d'homme dans l'affaire. Enis n'a pas tenu compte. Enis s'est dit, mon homme que j'ai aimé un jour est dans des problèmes. Je l'ai fui. Je m'en vais au Cameroun. C'est aujourd'hui que vous allez venir dire que non, Eunice était plus vieille que Ténor. Ténor, c'est un enfant. Donc Ténor, quand vous le regardez là, un vagabond comme lui, un guerrier comme lui, un nouchi comme lui, on peut le maltraiter, on peut l'obliger à manier femme. Tu es femme. Il faut te mettre à la place d'une femme. Tout ce que vous connaissez, c'est Moufort qui était là-bas. Et c'est être méchant. C'est ça qu'on appelle l'acte de sorcellerie. Je n'en veux pas à Ténor. J'en veux à toutes ces femmes qui font confiance à des hommes, qui donnent leur argent, qui se donnent, qui se tuent pour des hommes et qui à la fuite. On doit les battre, on doit les humilier, on doit les ridiculiser. Et puis on finit. À partir du moment où c'est l'un des gars de Ténor qui a filmé la scène, Ténor n'a plus raison. Depuis hier, j'attends le camp Enis Zounon. En tout cas, elles sont camp. Ils s'en foutent de ce qui s'est passé. Ténor n'est plus avec Enis Zounon depuis l'accident. Avant l'accident plutôt. Pourquoi aujourd'hui, partout où Ténor est là, Enis Zounon est là-bas? Parce que Ténor, on va bon dire de Ténor, hein, mais c'est quelqu'un de jovial. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dans un foyer avec ton homme et puis vouloir même te battre avec ton homme. Ça ne se fait pas. C'est toi qui as été violente. Parce que si aujourd'hui, il y a eu des images qui sont sorties, là, c'est parce qu'ils ont pas, il a passé son temps à accepter ça dans le noir. Et puis, on attend toi ta version. C'est-à-dire que tu te fous des gens. Tu t'en fous de ce que les gens pensent, au fait. Voilà. Toi, Ténor, c'est ta propriété privée. Tu vas faire de lui ce que tu veux. Je n'arrive pas à comprendre, après toutes ces disputes, après que tu l'as porté main ou elle t'a porté main, mais dans la vidéo, même si vous êtes porté main, parce que de la manière dont tu l'as soulevé, si sa tête cognait la table, peut-être qu'elle allait y rester. Si cette histoire était restée entre vous là-bas et que ton manager, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête, est venu faire sortir la vidéo, personne n'aurait su et toi, on t'aurait gardé dans notre cœur. Mais vous faites vos conneries et vous venez les diffuser. Mais c'est dommage et c'est malheureux. Parce qu'on avait, on avait aimé ce couple. Et on n'aurait jamais souhaité que ça en arrive là, malheureusement. Entre deux personnes, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais malheureusement, ça ne doit pas sortir comme c'est sorti maintenant. Parce qu'on a l'impression que c'est un coup monté pour humilier cette fille. Dans cette vidéo, Ténor fait sa première sortie depuis la polémique qu'il y a eu entre lui et Eunice. Bon, je vais pas te dire exactement ce qui se passe. Mais le problème vient quand même d'Eunice, tu vois. En effet, on a l'impression que le jeune rappeur et son management veulent surfer sur le buzz qu'il y a actuellement pour engager un autre buzz. Ce que nous constatons est que, étant donné que les choses semblent tourner en sa faveur, et qu'il joue le rôle de victime ici, car tout le monde
parle de la clé 14 que son ex-copine lui a majestueusement administrée. La vidéo que tu as vue qui circule un peu partout sur le net, c'est un truc qui date de un mois de temps pour moi. Et du coup, nous ne connaissons pas vraiment qui a publié. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils attendent le jour que je ne vais pas faire un showcase à Abidjan avant de publier la soi-disant vidéo. Toi-même, tu as constaté sur la vidéo comment Eunice est agressif. Et moi, du coup, je ne pouvais pas continuer ma relation avec elle. Ça ne pouvait pas marcher entre nous. Et du coup, j'ai décidé de couper les ponts entre elle et moi. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Disons et rappelons une fois de plus que « Trop de buzz tue le buzz ». Viendra le moment où les auditeurs se lasseront de vous, si vous ne faites pas attention. À bon entendeur, salut. C'était Vidéo Buzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.